Monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, effectivement, mes chers collègues, j'ai quand même l'impression que l'amendement qui est proposé par notre collègue permet de mettre le doigt sur un véritable sujet épineux. Moi, si je prends dans mon département, nous avons des casernes qui sont en grève pour des raisons budgétaires depuis maintenant quasiment un mois. Et donc la question est face à un conseil départemental qui manque de moyens. Hein, il y a, vous savez, les problèmes qui peuvent se poser sur d'autres postes, notamment le RSA. Et donc je pense que là, en l'occurrence, vous dites qu'il est effectivement couvert par d'autres dispositions, mais il me semble que ce rapport de l'article 1A pourrait utilement, puisqu'on fait un rapport, couvrir également cette question de l'articulation entre l'État et les conseils départementaux, parce que moi, je fais partie de ceux qui regrettent, tout à l'heure vous avez parlé de la réforme de la loi de 96, qui regrettent qu'on n'ait pas, par exemple, profité de la loi NOTRe pour peut-être avoir une vision peut-être plus profonde de la refonte des liens entre, notamment de financement et du positionnement des conseils départementaux par rapport à ce sujet de SDIS. Donc, si on ne l'a pas fait en amont, je pense qu'on peut le faire dans le cadre de ce rapport. Ça n'enlèvera rien de toute manière aux dispositions qui ont été promises par le président de la République. Maintenant, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et je préfère un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Député, monsieur Julien Aubert, vous avez la parole. Monsieur le ministre, mes chers collègues, effectivement, c'est un article très important. Très important parce que les sapeurs-pompiers volontaires ne cotiseront plus, ne paieront plus pour cette PFR. Et ça, c'est très important philosophiquement. Car dans nos sociétés où le citoyen a l'impression qu'une fois qu'il a payé son impôt, eh bien, il est quitte avec la société, qu'en réalité, la relation du contrat social se limite finalement à un simple échange financier, les sapeurs-pompiers volontaires donnent de leur temps, payent leur éco-civisme en temps personnel. Et ils sont, de ce point de vue-là, les héritiers d'autres traditions qui ont disparu, qui remontent à bien loin. Par exemple, les milices bourgeoises qui assuraient la sécurité au-delà de l'impôt qu'ils pouvaient ensuite donner au Trésor. Et donc, je suis content donc, que dans cet article, on revienne quelque peu en arrière en restaurant la véritable nature du service qui est assuré par les sapeurs-pompiers volontaires, d'autant qu'ils sont la colonne vertébrale du système et qu'en réalité, les problèmes que nous avons sur les sapeurs-pompiers professionnels viennent bien de la baisse des effectifs, puisque les moins 7% qui ont été observés depuis 10 ans finissent évidemment par se répercuter sur le taux de rotation des effectifs professionnels et ensuite sur la manière dont ils peuvent travailler au jour le jour. Donc, c'est une première étape. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peut-être une réforme d'ensemble à dégager. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que la proposition qui nous est fournie soit inutile. Je pense qu'elle était vraiment nécessaire. Mais lorsqu'on parle d'urgence, à mon sens, il y a une autre urgence sous-jacente. C'est qu'on voit déjà maintenant, on atteint le niveau des professionnels, des vraies difficultés du fait du manque de volontaires. Et donc là, il y a besoin véritablement qu'on remette vraiment à plat le système et que dès l'année prochaine, peut-être une nouvelle législature, prennent à bras le corps le sujet en essayant de revoir notamment comment on peut dégager des heures de travail, notamment en milieu Merci, rural, monsieur où on est parfois très loin du centre.